Alors Nazérienne, Nazérien, aujourd'hui 7 septembre 2019, c'est le jour du forum de la vie associative nazérienne, place aux associations, qui a lieu tous les ans. Et comme tous les ans, le Rassemblement National était présent pour cette manifestation. Nous avons pu faire 2h30 de visite. C'était long, mais c'était intéressant et ça valait la peine de prendre le temps pour déambuler dans les différents stands, voir les différentes associations culturelles, sportives, familiales, il y a la santé publique, etc., au sport. Ça nous a permis de prendre le pouls un peu de la vie associative. Et puis, ça nous permettra de peaufiner notre programme municipal en vue de proposer des mesures pour non seulement que la vie associative se maintienne à son niveau, c'est-à-dire celui d'un maillage dense à Saint-Nazaire, mais que cette vie associative, elle soit confortée, elle soit consolidée à l'avenir. Parce que, et pour conclure, le Rassemblement National va dire durant cette élection qu'il n'est ni contre la vie associative, ni contre la vie culturelle à Saint-Nazaire, quelles que soient les idées reçues de nos adversaires politiques, qui aimeraient dire qu'avec nous, ce sera une sorte de table rase vers l'inconnu, que par exemple, les associations, elles auront la vie dure. Certaines associations, elles auront la vie dure avec nous, c'est vrai, parce qu'elles ne seront plus financées par le financement public. Mais pour l'essentiel, les associations qui concourent à l'intérêt général et au bien commun des Nazériens, elles seront promues, y compris dans leur financement public, y compris par leur subventionnement. Voilà, donc c'était l'intérêt de notre démarche, que nous faisons tous les ans, à ce forum. Nous aurons, comme cela, l'occasion de préciser dans les jours à venir quelles sont nos positions, nos propositions pour conforter, consolider la vie associative à Saint-Nazaire. Voilà, Nazérienne, Nazérien, c'était notre après-midi de campagne, elle était consacrée à ça, mais la campagne redémarre dès demain, 8 septembre.